Bonsoir à toutes et à toutes, nouvelle petite vidéo aujourd'hui, comment t'as les views? Ah. Moi il n'y a pas très longtemps je viens d'arriver là du taf, du boulot, après faire les courses. Je suis en nage, j'ai le dos trempé de chez trempé. C'est bien beau mettre la doudoune le matin, mais après l'après-midi il fait un peu plus frais. Et là franchement je suis en nage. En nage, en nage, en nage. Sinon, par ça, comment t'allez, vieux tous? C'est vrai, ça fait un bon petit moment, j'avais pas fait de petites vidéos de coucours. C'est normal, hein, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à filmer déjà. C'est juste, comme la dernière fois, on avait fait déjà un gros plein il n'y a pas longtemps. Je sais plus quand. Et du coup, bah, là, il n'y avait pas grand-chose, à part les boissons, quoi, un coca, un jus de fruits, un litre de lait, voilà, je n'avais pas filmé juste ça. Mais là, ce soir, il y a quand même un petit peu plus. En plus, mon sac, il s'est craqué. Regardez-moi ça. Regardez le bordel. Il s'est craqué carrément. Bien sûr, il y a le bébé qui est là. Il attend le miam miam. Vous avez vu le sac de l'Intermarché? C'est de la merde. Franchement, c'est vraiment de la merde. Franchement, les sacs de Leader Play, ils sont plus solides que ça. Et pourtant, tu t'en mets dedans. Et c'est carrément déchiré. Dès que j'ai mis le truc de Félix là pour les chats, le truc il s'est craqué direct. Donc va comprendre, peut-être suis tombé sur un qui était pas assez solide. En plus on a l'impression que c'est carrément cousu le truc. Mais je sais pas. Franchement, en tout cas, bon, j'espère que j'ai rien cassé. C'est comme j'ai acheté des œufs et tout ça, j'espère qu'ils sont pas cassés. Enfin bref. Alors Carrefour City, j'ai pris bah, comme d'habitude hein, pour les minous. Ça c'est la viande, poulet, bœuf, lapin et agneau, comme d'habitude. Il n'en reste presque plus. Il doit en rester un ou deux paquets, je crois. Ensuite, j'ai pris quoi? Bah, j'ai pas pris grand-chose à Carrefour City. C'est plus Leader Place que j'ai pris. Bah, comme à Leader Place, il n'y avait pas de tisane, donc je l'ai pris à Carrefour City. La tisanière, nuit calme. Ça c'est pour Sissip, c'est moi la. Le thé, c'est pas que je ne supporte pas, c'est que ça me fait des palpitations au cœur. Voilà. Et pourtant, je bois énormément de café. Hein. Enfin, maintenant, c'est devenu. C'est plus la chicorée au lait, machin, qu'au café. Avant, c'était vraiment le café-café, mais j'ai arrêté. Il était café tout noir, comme bébé, tout noir. Voilà. Donc maintenant, c'est. Bon, paquet top, comme d'habitude. Et il y a le gros patapouf qui est là, comme d'habitude aussi. Là, il y a les deux. Il y a les deux mormoles qui est là. Hein? Hein, Maouis? Oui, Maouis, qu'est-ce qu'il y a? Alors, Leader Prize. J'ai pris une petite salade. Parce que ce soir, c'est salade, petite entrée. Parce que hier, ça fait peut-être une semaine qu'on mange des plats bien, bien consistants. Et je commence à avoir le ventre un petit peu bien, bien gros, bien ballonné. Donc, petite salade ce soir, ça ira très très bien. Donc, je vais peut-être vous faire la petite recette, la petite vidéo petite salade maison de Guigui. Le jambon, ça paraît être premier prix gagnant, 2 euros. Avec de la quacquen, parce que Cécile elle adore la quacquen, moi j'aime pas la quacquen. J'ai pris des œufs, je re-regarde s'ils n'ont pas été cassés, parce que comme le sac il est tombé. Putain, arrête Maouch! Pourquoi des câlins après? Non, ça va, les œufs sont pas cassés. C'est les œufs frais, hein, ceux-là. Qu'est-ce que t'as? Lui en ce moment il a envie de câlin, lui en ce moment. Il a envie de câlin. La baguette que Cécile elle aime pas.
J'ai pris de la liquide vaisselle. Bon, c'est pas celle de Action, hein, c'est sûr. Hein. C'est la ultra dégraissant, mais elle est pas mal. Il fait son job le bordel. Mais pas cher, je crois que c'est 80 centimes ou 96 centimes. Une bestiole comme ça. Mais elle est pas mal. Pareil pour ce soir, des lardons. Comme moi j'adore les lardons, moi j'ai pris deux paquets de lardons. Voilà, c'est-à-dire assez de lardons. Et lardons nature, hein, ça va. Ça va, ça laisse, ça va. Ensuite, pour mettre dans la salade aussi, du thon, une grosse boîte de thon de la marque Petit Navire. Souvent, il y avait que celle-là, il n'y avait même pas de trucs. Ce sont les plus gros, c'est ceux-là, c'est les petits navires. Ah, mon bébé. Je me suis pris mes yaourts, moi que j'adore, les yaourts riz, rhum raisin. Ils sont super ceux-là. C'est pas la première fois que je vous le dis. Ils sont géniaux, géniaux, géniaux. Et pour ceci, je lui ai pris des crèmes dessert au chocolat. Parce que le chocolat, c'est pour la vie. Et elle adore ça, enfin moi aussi. Mais j'avais envie de trucs de raisin, ça faisait un bon moment. Tu vas aller dehors, mon cœur? Voilà. Ça faisait un bon moment, j'avais pas été. Enfin, j'ai pas été. Que je n'ai pas mangé mes yaourts au raisin. Donc là, j'en ai profité. J'ai repris de la badoire, parce qu'on avait déjà une, mais bon, je sais pas pourquoi, quand on m'a redemandé de prendre de la badoire, mais c'est pas grave. Ça fera déjà une bouteille en plus. Comme d'habitude, le soda. Par contre, le lait, oui, il fallait absolument du lait, parce qu'on avait, comme j'avais fait, des petites réserves de lait. Du coup, bah, on a tout bu. Donc, comme d'hab, hein, du lait demi-crémé pour moi, du lait frais, hein, et du lait entier pour Cécile. Et un chat de Intermarché, tout noir, comme le Coca, et un petit cola. Voilà. Voilà pour les courses, et comme je vous dis, un chat tout noir là dans le sac. Là. Oh mon bébé, là, mon cœur. Oh mon petit cœur. Oui, 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 il n'aime pas quand je lui fais ça. Il n'aime pas, mais il revient à la charge. Hein? T'aimes pas, mais t'as revu à la charge. Hein. Je sais pas. C'est bien que papa, c'est pas méchant. Hein. C'est pour faire joujou. Hein. Hein? En plus, il aime bien. Hein? Hein, gros bête à pouf. Si tu passais par l'autre côté, ça serait peut-être mieux. Hein, Maout? Si tu vas aller dehors. Donc, pour. Carte bleue, carte bleue, carte bleue. Ouais, ils font cher avec leur bon là. Pour Leader Price, j'en ai eu pour 16 070 centimes. Et pour Carrefour City, j'en ai eu pour. Non, ça sent pas Lidl. Carrefour City, voilà, j'en ai eu pour 7 007 centimes. Voilà. Voilà pour les coucous, sont terminés pour aujourd'hui. Demain, c'est le week-end. C'est le week-end. Comme dans la chanson de. C'est le week-end. Comment ça s'appelle la chanson là? Merde, comment ça s'appelle la jeune chanteuse hein? Elle chante la chanson C'est le week-end. Enfin, je sais plus trop le truc. C'est pas Kylie Minogue, mais comment ça s'appelle? Ah, oh, bah ça alors. Pourtant, je l'ai écouté plus d'une fois. Ah bah ça, j'ai complètement oublié son prénom, à la chanteuse. Je vois son visage, mais son nom, ma cache. Bah, vous voyez, quand je vous dis quand. Une fois que quand tu as 170 ans, tu perds la tête. Voilà. Je perds la tête. Bon, tu veux aller dehors ou pas, toi? Allez! Quand tu veux, Maoutsa.
Allez, obligé de pousser le cul pour qu'il aille dehors. Voilà. En plus, il ne fait pas froid. Alors, profites-en tant qu'il ne fait pas froid, parce que c'est pas qu'il va commencer à avoir de la grêle, de la neige et tout ça qu'il faudra y aller. Hein? Bon, ben voilà. Sur ce, on va vous laisser. Demain matin, je bosse, 7h. Demain après-midi, repos. Samedi, je bosse. Dimanche, repos. Et rebolote lundi, mardi, mercredi, nani, 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 nana. On a encore deux autres petites vidéos à faire ce week-end parce qu'il y a. Tapez Chloé. Il y a la Viva Cats de Blacko et Mahout à faire. Mais ça, c'est, vous savez très bien, c'est Cécile qui va la faire. Et on a les produits finis à faire. Ça fait un bon moment qu'on les a pas fait. Et ça commence vraiment à s'entasser en dessous le bar là. Bientôt, j'ai plus de place. Il faut absolument vider les boîtes. Par contre, ça sert à regarder les boîtes de Félix et tout. On en met quand même pas mal dedans. Même si c'est pas très très grand, on en met quand même pas mal. Et puis bah, dimanche, bah, comme d'habitude, hein, le dimanche, c'est le dimanche sacré de mes créas, de spray painting dessin. Désolé, j'ai soif. Donc bah voilà. Donc je sais plus trop si on a eu d'autres. Oui, il est carrément craqué. Déchiré, 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 déchiré. Oui, comme je dis, je sais pas trop si on a eu des nouveaux abonnés. Donc si on a eu des nouveaux, bah, bienvenue sur la chaîne des Bretons Foufous. Par contre, il y en a aussi beaucoup qu'on ne voit plus. Beaucoup d'abonnés qu'on avait, qu'on voit plus sur la chaîne des Bretons. Bon après voilà les gens ils font ce qu'ils veulent mais voilà c'est pas une fois tu suis une chaîne et après tu la laisses tomber quoi c'est soit tu la suis jusqu'au bout ou c'est pas la peine de la commencer avec quoi mais voilà il y a beaucoup il y a pas mal de personnes que j'ai côtoyé sur le bah, sur la chaîne qui ne viennent plus ni commenter, même s'ils mettent que des likes, bah, ils viennent plus commenter, plus comme avant. Blacko t'attend. Et ainsi que certains youtubeurs et youtubeuses aussi. Il y a pas mal de youtubeuses que moi je suis depuis un an et demi maintenant. Et bah, qui sont jamais venus sur ma chaîne. Arrête, 2 minutes, Blacko! Donc voilà, donc je pense que moi je vais faire pareil aussi. Je vais toutes ces personnes-là qui ne viennent pas du tout sur ma chaîne, en fin de compte, ils ont peut-être bas les couilles quoi, entre guillemets quoi. Donc moi je vais faire pareil. Donc j'ai décidé ce week-end de me retirer de tous les youtubeuses, youtubeurs que je suis depuis un an et demi, bah depuis de me désabonner de leur chaîne. Voilà. Donc il n'y a pas de raison que moi j'irai tous les jours, je leur remets des likes, je leur remets des commentaires. Et que de l'autre côté, ils viennent même pas, ils sont même jamais venus même. Il y en a que, il y en a, ils sont jamais venus. Peut-être une fois, et encore. Et franchement, je trouve ça un peu ridicule parce que voilà. Normalement, ça devrait être censé d'être 50-50. Surtout, qu'on est YouTube, on est des YouTubeurs, donc on devrait à largeur entre guillemets, voilà, s'entraider quoi. Bah tiens, t'as sorti une vidéo, tiens, je vais voir, je vais te faire un petit like, je vais te faire un petit coucou, même s'il n'y a pas grand-chose, juste un petit coucou, voilà, juste un petit coucou. Coucou Guigui, coucou Sissi, voilà, c'est
C'est pas dur à comprendre et c'est facile. Ça dure quoi? 5 minutes. Mais voilà. Donc moi j'ai décidé, voilà, ce week-end, j'ai décidé de me retirer de tous les youtubeurs et youtubeuses qui ne viennent plus. Qui viennent même pas du tout même. Donc voilà, c'est malheureux à dire, c'est malheureux à faire, mais voilà, c'est comme ça. Je vois pas pourquoi moi je donnerais ma gentillesse et puis de l'autre côté, bah il n'y a rien du tout. Normalement, ça devrait être 50-50, voilà. Donc voilà. Donc après on verra bien. Hein, voilà. Ça sera un an foutu en l'air, voilà. Que moi je me suis amusé à regarder les vidéos comme un con. Et puis en fin de compte, en retour, bah moi j'ai strictement rien, 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 rien du tout. Surtout que des youtubeuses que j'apprécie beaucoup, qu'ils n'ont jamais, jamais mis un commentaire sur ma chaîne. Donc je trouve ça un petit peu dégueulasse. Après, de l'autre côté, bah, ça permet de gueuler, il permet de faire des vidéos de gueulantes et tout ça, gna gna gna. Qu'on vienne pas voir leur chaîne et nous, mais seulement eux ils sont pareils donc voilà. Donc je redis, donc ce week-end je vais me retirer de tous les youtubeurs et youtubeuses à qui s'en battent les couilles de ma chaîne en fin de compte. Et puis là, je vais garder vraiment ceux qui viennent. Ceux qui viennent, bon, peut-être pas régulièrement, mais qui viennent quand même de temps en temps. Faire un petit coucou et qui viennent sur mes lives aussi, mais tous les autres, bah je vais les dégager. Voilà, tant pis pour eux. Voilà, c'est comme je dis, c'est malheureux à dire, mais voilà, je vais carrément partir. Je vais me désabonner et peut-être pas les bloquer parce qu'ils m'ont rien fait personnellement, mais voilà, je vais me désabonner de leur chaîne parce que ça fait longtemps que je m'aperçois de ça. Ça fait longtemps que ça me travaille. J'étais patient, attendre, 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 attendre. Mais là, on va arriver à une nouvelle année, 2021. Et il n'y a toujours rien. Donc voilà, ça. Pourquoi moi je vais les gâcher mon énergie à regarder leur chaîne. Or que eux, ils font de leur côté, ils font pas d'efforts pour au moins faire un petit coucou, quoi. C'est pas grand-chose. Coucou, c'est moi. Voilà, je suis passé te voir, voilà, ça, c'est pas grand-chose. Voilà. Donc bah voilà les nouvelles pour presque fin 2020. Et puis bah voilà. Voilà. Donc sur ce, donc c'est pas une gueulante ni quoi que ce soit, là, c'est juste un petit blabla, voilà, j'avais envie de le dire. Ça fait longtemps, un bon moment que ça me travaille. Déjà la famille, elles viennent pas. Même la famille de Cécile, elles viennent pas. Ils viennent pas commenter nos vidéos, donc je vois pas pourquoi moi je ferais pareil quoi. Donc voilà. Sur ce, je vous fais des gros gros bisous. N'oubliez pas pour ceux qui viennent, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de sonner la petite cloche, de mettre un gros like. Et je vous dis à une prochaine petite vidéo. Allez. Ciao, ciao!